What? Yes. Ici, please. Pour check. Est-ce que c'est le mot que vous entendez le plus quand vous annoncez que c'est le dernier morceau? Est-ce que vous entendez please encore? On entend même, et souvent quand on joue devant un public français, ce qui est 90% le cas, s'il vous plaît, on entend ça. Voilà, ils traduisent. Et on a un vrai rêve. Moi j'ai un rêve, c'est que quand on joue, si on joue un jour, genre aux États-Unis ou en Angleterre, j'ai des Anglais, qu'il y ait un monsieur loyal qui fasse un truc genre please welcome, please welcome, please welcome, sans s'arrêter, comme ça. Bah, à la fin. Et là, tu vois, ça c'est un rêve. Mais on l'entend pas encore. Vous venez de le dire, un rêve c'est d'aller jouer aux États-Unis. Franchement, ouais, on va pas faire semblant. Oui. Ouais. Cheesy, mais oui. Ouais. Un peu American. Ouais, ça a l'air d'être un dream en carton, mais finalement notre musique c'est beaucoup les États-Unis, c'est des artistes américains et ouais, le dream quoi. On a envie de si tu aller titiller le... Tu conquis les États-Unis, tu conquis le monde. Madison Square Garden. Alors pourtant, avec le pantalon que tu avais sur scène tout à l'heure, on était plutôt côté Texas. Bah c'est encore les États-Unis, hein, on y est, hein, à fond, ouais. Bah ouais. Donc un rêve, si c'est quoi Coachella, vous signez demain? À fond, bah ouais. Est-ce qu'il signe demain? Non. Coachella signe. Après l'impact écologique de Coachella, on en parlera dans une prochaine interview. On n'en parlait pas assez, tu sais. De l'impact écologique. Eh ouais. Pourtant, si c'est justement une de nos lignes, on fait attention à tout ce qui est éco-responsable. Ah, mais Chuck, oui. Chuck, partenaire de Coachella. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Ah bah on peut parler librement de Coachella alors. Tout à fait. Coachella, hypocrite. Non, on signe à fond, grave Coachella. En fait, et pour dire la vérité, quand on était, nous on joue depuis qu'on a, on joue tous les trois depuis qu'on a 13 ans, et quand on était au lycée et qu'on faisait des reprises, des stones un peu dans notre coin, le dream c'était Coachella, tout ce qui est, ça incarnait tout ce qu'il y avait de plus dreamy, de plus grandiose, et on voulait faire Coachella. Quoi, le rêve genre inatteignable, mais qui de toute façon un rêve n'est rêve que s'il est inatteignable, mais là c'était vraiment ce qui symbolisait. On savait même pas trop ce que c'était en vrai. On savait pas ce que c'était. Et on se disait on va aller à Coachella en festivalier, ouais. Voir un peu, tâter le terrain. Avec nos reprises des Stones, voir un peu, ouais, ça se passe comment Coachella? Ouais, on peut le faire. 5 000 $ et il fallait prendre sa place au moins de 20 secondes. Et on a fait réserver sa voiturette de golf pour. Green. Mais Coachella, si tu nous entends, we're down for you. Monsieur Coachella. Mr. Coach, on est sur le coach, mais elle est pas terrible. Et sur Paris, est-ce qu'il y aurait une scène que vous avez envie de fouler? Parce que vous êtes de Paris. Alors là, la semaine dernière, on a fait la Cigale en première partie et c'était franchement énorme, c'était trop cool. Et la Cigale, on a vu nos artistes préférés à la Cigale, on a vu Supergrass, on a vu Mac DeMarco. En 2016, incroyable. Ouais. MGMT, énorme. Et donc la Cigale, je pense que c'est un peu le dream des Parisiens, quoi. Un dream humble, mais entre... Pas si humble. Mais tu vois, j'ai pas parlé de l'Olympia, j'ai pas parlé du Zénith. La Cigale, c'est déjà le step, genre, oh, tu fais la Cigale, maman, mamie, papa, cousin, là, tout le monde vient. Et le Bataclan, c'est tout le quartier qui vient. C'est tout le 15ème qui vient, on déplace tout le 15ème. Le Bataclan, on a une histoire très compliquée avec cette salle. Ah ouais, ouais. Vas-y, dis-leur. En fait, en 2020, ouais. On a fait notre premier concert en tant que Please en finale d'un tremplin qui s'appelait les Icar Sessions. Et on était trop contents d'être en finale. Et en fait, deux jours, c'était en mars 2020, c'est ça? Ouais. C'était mars 2020. C'était l'avant-garde du Covid. Exactement. C'était genre trois jours avant le grand confinement. Et deux jours avant le concert, on nous annonce qu'en fait la date va se faire à huis clos et qu'il va y avoir personne dans la salle à part un groupe de 20 jurés pour décerner le prix de Icar Session. Et du coup, on a joué dans un Bataclan vide. Donc, en gros, c'est comme faire des balances avec un stress énorme parce qu'on fait notre premier concert en finale d'un tremplin. C'est pas ce que ça représente, mais on se dit genre waouh, c'est hyper truc. Et c'était une sensation quand même genre. Je pense que j'ai jamais connu un si haut niveau de stress. Ah ouais. Mais en fait, si t'as passé le permis de conduire, et je pense que t'as le permis de conduire, c'est genre
équivalent. C'est équivalent. Si vous avez passé le permis de conduire, il n'a pas passé le permis. Bah alors t'as aucune idée ce que c'était le Bataclan en 2020. Le Bataclan. Peut-être. Ah c'était le pied qui trempe sur l'embrayage, style Bataclan, c'était ça. C'était exactement ça. En tout cas, moi j'ai vu votre session. Vous sortez de scène, on voit d'ailleurs encore les cheveux trempés, une énergie débordante. Ça c'est la cobaye. Ça c'est la douche. Ah ouais. Il y a beaucoup de... Je t'avais dit tout à l'heure, hein, ça sonne très californien. Et là tu mets le doigt sur quelque chose là. Il va rebondir ce côté là, attention. En fait j'ai très peur parce que j'ai envie de citer des artistes et je suis pas sûr qu'ils sont vraiment californiens. Donc tu vois, à part les Beach Boys. Non, bah alors là c'est qui? C'est... Daryl Hall. Les Red Hot. Alors les Red Hot, c'est un groupe qu'on a honnêtement, on peut le dire, on a un peu... Tu trouves ça sonne Red Hot? Non. Ah non, ok, d'accord. Ah mais alors... Fleetwood. Les groupes californiens. Bah, Fleetwood, ils incarnent la Californie, je pense. Et puis même, là, j'ai envie de citer une Johnny Mitchell, qu'on adore, et qui a disparu de Spotify. Bon, elle avait un combat à mener, mais on est à notre plus grande âme. Johnny Mitchell, on adore. California, son morceau, qui incarne un peu tout ce qu'on aime. La belle voix, la belle compo. California. Je ferai pas la suite, mais en tout cas, ouais, c'est clair que la Californie, c'est notre terre de cœur. Après la Normandie. Pourquoi la Normandie? Bah, Louis, je te laisse répondre. Parce qu'on a enregistré notre premier disque là-bas, dans une grange un peu obscure. La sienne. Et De famille. De famille. De famille. Elle est pas si obscure, mais bon, on crée un peu un mythe. Voilà. On essaie voilà, de créer des choses un peu compliquées. Mais ouais, on y va souvent, on compose souvent là-bas. Et on a joué à Cabourg, là, cette année, en Normandie. Et ça fait trop bien encore. Énorme. Et Pizza Monkey, l'année dernière, trop bien. À chaque fois qu'on va en Normandie, ça se passe bien. Ouais. Donc, c'est un peu la Californie française. Ouais, c'est pour clair. Nous. En fait, on est des Parisiens, purs Parisiens, mais la Californie, tu vois, pour te dire. La Normandie, c'est notre terre de cœur. À chaque fois qu'on y va, c'est pour le meilleur. C'est toujours énorme. Vous venez de jouer à Bordeaux, mais est-ce que vous avez déjà dans le Sud-Ouest joué sur d'autres dates, d'autres lieux du Sud-Ouest? On a joué à Toulouse. On a joué à Toulouse pour un festival vraiment amateur. C'est énorme ça. Mais là, ouais, c'est énorme. Et je vois très bien votre son sur... Je vous écoutais tout à l'heure et j'ai mis vraiment dans ma tête des images. Ouais. Mais faut que vous jouiez sur un festival de surf, les gars, c'est obligé. Mais je sais, bon, mais voilà. Bien sûr, mais évidemment. Après... Mais Jack. Jack. Évidemment, mais là t'as été très juste, Jack. Jack, t'as été très très juste, je trouve. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on doit... À chaque fois qu'on fait des résidences, notre plat par défaut, on se fait une salade sud-ouest. Ah, je croyais que t'allais manger une planche de surf. Ah non. Polystyrène, c'est pas... Non. Tu vois la salade sud-ouest, gésier et tout. Pommes de terre. Ah, c'est un peu notre... C'est notre plat de consistance. Donc là, on est dans le sud-ouest et on nous l'a rendu, cet amour pour le sud-ouest. En tout cas, la salade sud-ouest. Bon, dernière question. C'est quoi le prochain step? Votre... rapidement, hein. un nouvel album. On a sorti un EP en avril. On va sortir sa réédition avec quelques exclus en automne et un deuxième EP qui arrive avec des morceaux qu'on a composés en Normandie chez Louis dans la grange obscure dont il parlait au printemps. Et après, peut-être, je laisse Dylan dire le gros mot. Un album. Mais déjà, rendez-vous au printemps pour un deuxième EP de Please qui va vous surprendre si vous avez entendu le premier. Exclusive, on l'a jamais dit. You got some big news. Ouais. Thank you, guys. You got some big news in your hands. Deuxième EP de Please au printemps. Et tous les interviews de Jack se terminent par un truc. Ouais. Alors on va le faire à distance. Check me five. Ah, check me five. Check me five, bro. Check. Check. You get it. What?